Bon, allez, direction l'hôpital donc. Voilà. Une clochette. Ah, yeah, c'est pas une vache, hein. Non, mais oh. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un coffre. Oh, ça c'est. Ah, cool! Ça s'explique, hein. Il y a un petit coin sombre comme ça, derrière une porte. Endroit propice, hein. Eh bah. Ils sont vraiment pas prudents, hein. Exposer des coffres comme ça, remplis de munitions. Tu es schizophrène. Voilà la raison. Ah, j'aime bien les ascenseurs. Ça me fait penser à Men in Black. Tu ouvres, enfin t'appuies sur le bouton et ça ouvre derrière, tu sais. Oh non! Il a l'air plus étonné que ça. Hein. C'est connu, hein, quand... Quand... t'es une personne qui peut transformer les gens en flaques avec des riffs et que t'as une sorte de queue immense, la meilleure façon de tuer une personne, c'est de l'enfermer, hein. Je sais pas si elle le fait exprès de pas vouloir la tuer ou si elle veut être gentille avec elle. Ah bah voilà, hein. Pas fichu de tuer une personne, mais pour détruire un escalier, bah là elle est forte, hein. Ah, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon. On va voir si c'est un autre chemin. Ouais, décidément.
Mais bon, comme dirait l'autre, lorsqu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Ah, là, merci. Oh, tiens, un truc lumineux. Bon, je suppose que c'est une clé. Ah, un fusible. Ça doit être un dépôt, un truc dans le genre, je pense. Là, pour une fois, pour trouver des coffres ou un fusible, ok, c'est bon, là c'est normal. Là, je veux bien admettre. Mais bon, trouver des munitions ou des coffres dans Central Park ou dans des cellules, là non. Je crois qu'on est à la morgue. Enfin. Bon, les mouches géantes là, c'est pas très chiante. Hein. Comme vous avez pu le voir, elles sont hyper lentes. Hein. Je sais pas ce qu'il lance, je sais pas si c'est du poison ou s'il a un rhume, mais c'est hyper facile à esquiver. Hein. Bon, par contre, eux ils sont chiants. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais quand ils sont nombreux, ça peut durer pas mal de temps quoi. Est-ce qu'il y a un coffre par ici? Oh, voilà. Une défense plus 1. Bon. Ah, ils sont fait cramer, on dirait. Les pauvres. Pas de ferraille, ça sert à rien. Oh tiens, une clé. Ah vous voyez là, il fallait vraiment bien chercher quoi pour trouver la clé. C'était pas en surbrillance ou luminescent comme ça. Pourquoi un fusible il serait en surbrillance? C'est comme si tu te levais comme ça, t'avais faim, tu ouvres ton frigo comme ça et tu vois, il y a un sandwich qui est déjà tout préparé, qui est en surbrillance, tu vois. Et tu te dis, bon, allez, je pense que je suis obligé de prendre ça, hein, vu qu'il il brille. Fais, mange-moi. Bon, on s'écarte du sujet, hein. Ah, bah, on est retourné au même point qu'avant. Il faut vraiment que je change de flingue. Le M16, c'est la seconde arme du jeu. Non, troisième arme du jeu. Ouais. Depuis j'ai pas changé, donc ce serait quand même bien que je varie un peu, hein. Comme ça je peux vous montrer les autres types d'armes avec les autres capacités, etc. etc. Ah, on dirait que la règle des munitions équivaut aussi pour les monstres. Moins ça donne de munitions, enfin, moins le monstre, la personne donne des munitions, moins elle est importante. Donc là on a la preuve.
Il y a un coffre en bas à gauche. Bon. Les placards, je suppose qu'il n'y a rien. Ah, M79. Donc le M79, hein, comme si, enfin, si certains d'entre vous connaissent, c'est un lance-grenade. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? C'est une arme assez un peu plus, je trouve qu'elle est un peu plus rapide que le M16, enfin que les fusils d'assaut. Mais niveau balles, regardez, il y a 5 balles on peut tirer. C'est rien hein, comparé au 17 du M16. Enfin. Donc niveau dégâts, ça va, elle est pas mal. Hein. Il a un sort qui s'appelle. Enfin vous voyez la petite seringue là en bas à gauche. C'est le sort tranquillisant, il me semble que c'est. Ouais. Et ce que ça fait, il me semble, hein, faut vérifier, hein, mais bon. À ce que je me souvienne, c'est une sorte de lenteur, quoi. Ça réduit la génération de la barre d'action de l'ennemi, quoi. Mais bon, c'est moyen, je trouve. Donc là, on va prendre les bonus et en mettre sur le M79, hein. Parce qu'il y a deux raisons qui font que je l'aime bien. Une, parce que vous l'avez pas encore vu, donc ça fera what, t'as vu ma nouvelle arme? T'as vu mon flingue? Et la seconde, parce que bah vous le verrez quand j'utiliserai. Maya, attends, c'est moi, Aya. Bon, décidément, elle est partout, hein, petite fille. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez à Central Park, hein, où elle était d'un plan à l'autre, sans raison. Ah, c'est pareil. Hein. Oui, décidément. Troisième fois que je rentre dans cette pièce-là. Donc. Ah bah voilà, là au moins il propose.